Bonjour à tous, bienvenue à l'émission Zheng Hao Ci. Et qu'est-ce que veut dire cette phrase Zheng Hao Ci, délicieux en chinois? Chaque semaine, nous vous présenterons un plat de la cuisine chinoise que vous pouvez faire à la maison. Et aujourd'hui, on commence par une entrée chaude au nom plein d'élégance, fleur de zen. La fleur de zen n'est pas un type de fleur en particulier, c'est une philosophie apportée par le zen bouddhisme, l'arrangement de la fleur et de l'art de vivre oriental. Dans l'histoire de la Chine, la notion de fleur de zen apparaît lors de la période de Wu Dai, soit il y a plus de 1000 ans. Elle représente la simplicité et la grâce. Quand on regarde une fleur de zen, on ressent la tranquillité de l'esprit et c'est déjà un pas vers la sagesse. Aujourd'hui, vous allez y goûter. Avec le grand chef du restaurant Zen Garden à Paris, nous allons vous montrer comment cuisiner cette fleur de zen représentative de l'esprit zen. Pour préparer cette entrée pour une personne, nous avons besoin d'une tranche de courgette, d'une tranche d'aubergine, d'une crevette, d'une noix de Saint-Jacques et d'une pièce de champignon parfumé. Et pour préparer ces sauces, du sucre, du sel, de la farine de pommes de terre, du bouillon de poule, de l'huile de tournesol et du poivre noir. Tout d'abord, il faut cuire la crevette et la noix de Saint-Jacques dans de l'eau bouillante. Puis trancher la courgette et l'aubergine et garder une épaisseur d'environ 1 cm. Ajouter un peu de sucre, de sel et de bouillon de poule et les mélanger. Préchauffer la poêle pendant 2 minutes, puis ajouter un peu d'huile de tournesol, griller tous les ingrédients pendant 5 minutes. Ajoutez encore quelques gouttes d'huile pour avoir une belle brillance. Et maintenant, passons à la préparation de la sauce mori qui sera versée sur le champignon. Réchauffez la sauce mori avec de l'eau chaude, de la sauce soja et de la sauce de farine de pommes de terre. Sans oublier la deuxième sauce, celle pour les crevettes et la noix de Saint-Jacques. Il faut faire frire les morceaux d'ail au wok, ajouter de l'eau bouillante, du sel, du sucre et la sauce farine de pommes de terre, laisser sur le feu tout en remuant jusqu'à ce qu'il soit collant. Place maintenant au dressage, le grand chef partage avec nous ses talents artistiques. Il nous faut des tranches fines de concombre, une tomate cerise, de la ciboulette, des graines de goji, de la pâte de ravioli frits, et un petit médaillon de riz. Pour finir, ajoutez un peu de poivre noir et le plat est enfin prêt à être mangé. Pour résumer, la fleur de zen est...